Salut tout le monde, c'est Antox et bienvenue pour cette première vidéo, ce premier épisode de cette série sur Rare Replay sur WWE Supercard au mode Money in the Bank. Je suis actuellement à 11 000 points depuis la dernière vidéo et il me manque plus que 6 900, c'est pas mal. On a encore 12 jours. 12 jours, normalement, ça devrait bien se passer en peu de temps. Voilà. D'abord, je vous propose qu'on fasse. Formidable. Ça commence très bien, erreur de réseau. Ce n'était pas prévu au programme, ça. J'espère que ça va vite se dépêcher. Oui, on va faire du Royal Rumble avant le. Ce qui nous intéresse le plus. Ça permet de m'échauffer. Voilà. Robustesse. Alors, charisme, c'est bon. Vitesse. C'est bon aussi. Encore de la vitesse. Une Sasha Banks peut en cacher un autre. Enfin, une autre, pardon. Oh, Réa Ripley.
On va faire les allez, 4 matchs au moins. De Royal Rumble. Et après, on va se lancer dans le du sujet. Oui, je sais. J'ai eu de la chance. Quand j'ai vu la carte, j'ai flippé, mais... Heureusement, j'ai une grosse carte qui peut me dépanner, c'est Ember Moon. Puissance. Oui, à Whipley. J'aime bien sa carte avant-garde aussi. J'espère qu'elle sera disponible lors de la mise à jour de Money in the Bank. Car elle est trop classe, faudrait que je la montre. Qui je pioche, bien sûr. Oh, Becky Lynch. Le malin que je suis. Ensuite, charisme, j'ai pas encore utilisé. Oh, j'ai eu de la chance. Tony Storm. Charlotte Flair. Vous l'avez pas vu, mais moi je l'ai vu. Kevin Owens. Brisé en plus. Kevin Owens brisé. C'est une très... Je vais la montrer juste après avec une image brisée au cas où il n'est pas vu. Sinon, bah, il vous suffit de rembobiner et de trouver le bon moment exact. Oui, Azim. J'ai de la chance. Là aussi, j'ai de la chance. Allez, on va prendre celle-là. Charisme, j'ai rien à perdre de toute façon. Puissance, j'ai pas encore essayé, c'est parfait.
puissance. Ouch. Heureusement que je peux compter sur Charlotte Flair. Laisse tomber, tu ne feras jamais de série avec moi. Bon, c'est peut-être une série de deux victoires, mais pas plus. Voilà, comme ça le jeu il est content. C'est encore disponible les fusions. C'est pas fini avant un bon moment. Shelton Benjamin. Bon, on va améliorer quelques cartes. Oui, j'ai pioché cette Rollins. C'est pas une blague. Il a de la chance, il aurait bien pu passer au prochain niveau, mais non. Il résiste, il prouve qu'il existe. Ouais, j'ai eu Drew McIntyre, j'aimerais bien le faire évoluer. Mais ça sera plus tard. Nous, c'est Money in the Bank. Et je vous propose, les amis, qu'on fasse juste deux matchs pour bien commencer. Et deux matchs, ça sera pas mal. Évidemment, dans une prochaine vidéo, j'en ferai beaucoup plus. 10, voire 20. Ça dépendra. De ma volonté, tout simplement. Alors, Finn Balor. Tony Nese sur Undertaker. Alors, Nia Rush sur... Allez, on va tenter cette Rollins.
On se pose pas de questions. Canary sur Samoa Joe. Et bah, on va commencer par Aleister Black. Certes, la carte est moins haute, mais l'avantage avec Money in the Bank, c'est que il vous donne une autre chance. Triple H contre Pete Dunne. Ça pourrait être un dream match en vrai. Triple H contre Pete Dunne. C'est un beau dream match. Finn Balor, Bobby Lashley. Ouch. Oh, je suis dégoûté. Comment est-ce possible? Oui, je sais. Le loup solitaire qui encore une fois va se faire massacrer par The Rock. Allez, on va faire encore deux matchs. Royal Rumble, c'est le début, donc je peux me permettre de faire des matchs Royal Rumble pour le PVP, pour augmenter cette carte. Mais après, ça sera que du Money in the Bank. Alors, Becky Lynch et Léonie Tony Storm, pas tous au charisme. Ouh, j'ai eu de la chance. Je tente de vitesse, mais avec aucune. J'ai tenté et ça a marché. J'avais aucune conviction là. Bon, bah là, je vais être obligé de sacrifier une, Becky. C'est pour le bien du jeu que je fais ça.
Charlotte. En puissance, quand t'as encore là, y a de l'axe. Là, avec l'axe, elle triche. Elle se fait éliminer. Elle va le recours une fois qu'elle se fait éliminer. C'est pas logique. Ok, encore une fois, j'ai eu de la chance. Allez, si ça passe pas. Mais si ça passe. Kevin Owens, titanesque cette fois. Allez, on va commencer avec du très lourd, du cataclysme. Allez. On va sacrifier les deux Sasha Banks, carrément les deux. Et j'aurais pas dû. Là par contre j'ai bien fait, on va utiliser la vitesse. Décidément, ils sont coriaces aujourd'hui. Là on aura sorti les grosses cartes là. Dès le début, on te sort les grosses cartes. Vitesse, ok, pourquoi pas. Pas tout de suite la puissance. Allez, j'espère que ça va passer pour... Évidemment que ça passe. Ouais, charisme, ça passe. On va tenter puissance. Ça passe aussi. Alors, on va sacrifier Charlotte Flair. Ensuite. On met Ember Moon. On termine par la vitesse en place. Ça passe pas du tout. Mais on gagne quand même. On a quand même gagné le combat, c'est pas grave. C'était très disputé au début, je dois l'avouer. Mais Charles Flair, Saint-Mars, l'âme 19, a tout simplement changé la donne.
charisme. Décidément. J'ai un petit plan. En espérant que le plan fonctionne. Il fonctionne. Ça y est, je peux dérouler. Je vais dérouler. Du moins, j'espère que je vais dérouler. Becky Lynch, c'est pas grave. On a Sasha Banks qui peut nous aider. Pour une courte durée, je pense, voilà. Et c'est un barbeau qui gagne. Et qui nous donne la victoire. Et on passe à un nouveau palier. Au moins vous êtes gâtés, il y a beaucoup de gameplay. Oh, la fusion est terminée. Un peu de fusion. Nikki Bella en ultime. Sasha avec son monstre avec un pull de Noël tout moche. Hein? Et on va terminer sur ce match. Monsieur Ballard. Les deux Tony Hawk, faudrait que je change à les mettre en pro un jour. Non, j'ai pas besoin de les mettre en pro. J'ai pas besoin, ils sont assez forts comme ça. Allez, on va sacrifier ce Tony Miz là. Pour Braun Strowman, colonel.
11 070, c'est pas mal. On va s'arrêter là-dessus. On se retrouve mardi dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!